Bonjour les amis, alors on se retrouve pour le pronostic Quinté Plus de ce vendredi 4 septembre 2020. Donc, alors je fais la vidéo un peu plus tôt, à cause de l'école bien sûr, donc je dois amener mon fils à l'école, donc j'aurai pas forcément le temps. Donc voilà, donc ça n'empêche rien, elle sera plus tôt, c'est toujours mieux que de ne pas l'avoir, voilà, ou de l'avoir plus tard ce soir. Donc ensuite, en description sous la vidéo, dans la section communauté de la chaîne, en info et en fin de vidéo, vous aurez ma chaîne YouTube secondaire du PMU. Alors n'hésitez pas à aller la voir. Déjà plus de 500 abonnés, alors on vous y attend. N'hésitez pas à venir. Voilà, vous cliquez sur le petit lien qui est en info ou en fin de vidéo ou dans la section communauté de la chaîne ou en description sous la vidéo. Vous atterrissez sur la page, vous vous abonnez et le tour est joué. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Il va y avoir les pronostics de ce vendredi qui vont être postés à la suite de celle-ci sur la nouvelle chaîne YouTube. Ensuite, le pronostic écrit du Quinté Plus sera en info, en fin de vidéo et dans la section vidéo de la chaîne. Alors n'hésitez pas à aller la voir. Et puis on peut attaquer le pronostic tranquillement de ce vendredi 4 septembre. Donc ce sera la R1C3 à 20h15. À Vincennes, ce sera le prix Adelinda, ce sera de l'atelier sur 2850 mètres et il y aura 15 partants. Mon niveau de confiance est de 2 sur 5 pour cette course là, donc comme aujourd'hui, c'est une semi-nocturne, donc méfiance. Et puis on attaque le week-end. Mon favori sera le 15, et puis j'ai pris des risques, alors vous voyez un peu, vous voyez avec ce que je propose, mais voilà. Mon favori sera le 15, Dame de Belloué, drivé par Abrivard. Ma base sera le 5, Dariana Cassi, drivé par Viels. Mes outsiders seront le 9, Evita Perron, drivé par Abrivard. Le 10, R. Delios, drivé par Lagaduc. Et le 13, Belle Émotion, drivé par Gélor Mini. Mon jeu simple sera donc le 15. Mon second favori, le 5. Mon tocard, le 9. Et mon regret, le 8. Énergie des châles, drivé par Rafi. Pour ce qui est de mon conseil de jeu, alors mon 2 sur 4 sera le 15 et le 5. Mon 2 sur 4 combiné sera le 15, 5, 3. Mon couplet combiné sera le 15, le 5, le 3 et le 9. Mon multi en 7 en champ total sera le 15, le 5, le 3, le 9, le 14 et le 10. Pour ce qui est de mon tic 3, ce sera le 15, 5, 3, 9, 14. Pour ce qui est de mon Quinté Plus, un champ réduit, que vous pouvez jouer en flexi bien entendu, mais jouer le modérément, il est assez élevé en mise, même en flexi. Ce sera le 15, le 5, le 3, dans ma base. Et le 9, 14, 10, 12, 13 et 8 dans mon champ réduit. Pour ce qui est de mon jeu en 8 chevaux, pour le tiercé, quarté, quinté combiné en 8, que vous pouvez jouer en flexi bien entendu, ce sera le 15, le 5, le 3, le 9, le 14, le 10, le 12 et le 13. Donc voilà les amis pour le pronostic Quinté Plus de ce vendredi 4 septembre. Alors n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube secondaire du PMU en info, juste un petit clic, en fin de vidéo, un petit clic, en description sous la vidéo, vous cliquez sur le lien et dans la section communauté. Alors n'hésitez pas à aller la voir. Et puis ensuite le pronostic écrit du Quinté Plus qui est en info et en fin de vidéo et dans la section vidéo de la chaîne. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, à vous abonner, à partager. Et nous on se retrouve dès ce soir pour l'arrivée Quinté. Bye les potos.